Oui, tu as bien vu le titre de la vidéo. Je t'aime dans Murder Mystery 2. Hold the fuck up! Hold How you go? Hold the fuck up! Hold the Contexte. Il y a 2 jours, j'ai posté une vidéo face reveal, enfin, ma fake face reveal. Sauf que vous savez tous déjà que je fais ma face reveal seulement aux 10 000 abonnés sur ma chaîne principale et aux 1 000 abonnés sur ma chaîne secondaire. Or, il y a des gens qui, bien sûr, étaient déçus. Je peux comprendre ça, mais en même temps, j'ai été claire. C'est pour cela que quelques minutes après, je me suis sentie mal. Puis, j'ai décidé de faire un post dans la communauté. J'ai écrit, bon, je vous ai menti. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner? Et vous êtes à presque 80% des gens à me dire, faire les défis dans Murder Mystery 2. On va faire des défis MM2. Donc, si vous voulez une vidéo comme celle-là... Pas une vidéo comme celle-là. Actually, you know what? Je vais mettre un objectif tellement plus dur pour vous à réaliser. Comme ça, on va plus jamais le faire. Si cette vidéo atteint 1000 likes, period, seulement à 1000 likes, je vais faire encore les défis les plus bizes, les pires défis que vous allez m'envoyer, je vais les faire. Aux 1000 likes. Ouais, c'est le challenge. Comme ça, vous allez plus m'envoyer des défis chelous comme Team dans Murder Mystery 2. Vous allez plus m'envoyer des défis comme ça. C'est fini. Mavie a gagné. Mavie a gagné. Abonnez-vous à cette chaîne pour qu'on atteigne les 10 000 abonnés pour la face reveal. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire pour les 1000 abonnés. Afin que je puisse commencer les vidéos vlog. Et n'hésitez surtout pas à liker vraiment cette vidéo. Et commenter des idées de vidéos. Sur ce, c'est parti! Alright, y'all. So, le premier défi donné par Julia52OL. Elle m'a dit, saute que quand tu vois quelqu'un avec des cheveux rouges. Ok, c'est quand même un défi assez simple, assez facile. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais me mettre littéralement devant elle parce que j'ai trouvé quelqu'un avec des cheveux rouges. Je vais me mettre à côté et puis je vais faire comme ça. C'est tellement genre embarrassant. Ah, au moins elle saute avec moi, tu vois, ça accompagne. Ok. Ok, prochain challenge. Prochain défi par Swaggy Nono, elle a dit MM2, donc le défi, tu tues personne quand t'es le tueur. Ok, donc on va faire ça. So basically, un des défis que les abonnés m'ont donné, c'est tout simplement quand t'es le tueur, il faut que tu fasses rien, tu kills personne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste ramasser des pièces et des eggs. Alright guys, défi relevé, je n'ai tué personne dans la round, donc on va passer au prochain défi. Prochain défi, c'est que tu mets tous les objets qui ont coûté le plus de Robux et tu dis aux gens, hey, regardez comment je suis riche, un truc comme ça, smiley face. MDR, ok. C'est plus toxique ça, mais on va le faire là. Zambé Nangai. Donc, guys, à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, vraiment, c'était vraiment le challenge qui a écrit ça, qui c'est pas moi. Je suis vraiment pas toxique avec les gens en général. So, alors, j'ai mis le Valk, j'ai mis la Headless et j'ai mis le Corblox avec des Godly et avec l'effet du nouveau couteau pour montrer que je suis riche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dire maintenant. Regardez, je suis riche.
Je suis riche et pas vous. Ha ha. On va voir la réaction de mes abonnés. Ils vont être choqués. Oh non! L'autre, elle a mis un deux petits points. Je suis riche et pas vous. Ha noob. Je suis riche et pas vous. Ha. Ha noob, je suis riche. Même mon ami, il est choqué, il est comme Sarah Dare, je suis sûre. Mes filles! Rich core. Oui, MDR, MDR, MDR. Oh my god. C'était un MDR, ok. Lala, vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs à me donner ce défi-là. Genre, en majorité, il y en a beaucoup. Et le plus gros défi que tout le monde m'a donné, c'est sur MM2, tu dois faire la spam jumpeuse, la campeuse et la timeuse. Ça va être cool. Veuillez noter que cette séquence vidéo pourrait nuire à la sensibilité de certains individus. S'il vous plaît, veuillez ne pas reproduire ça à la maison ou même dans le jeu de Murder Mystery 2 ou dans n'importe quel autre jeu dans Roblox, s'il vous plaît. Merci. Je suis triste parce que je suis immense, je n'en peux plus. S'il vous plaît, cherche de l'aide. Je ne dis pas, mais tout le monde me dit de faire parce que je dois me faire pardonner. Moi, je veux pas team, mais tout le monde veut. Même un commentaire à 14 likes a dit que je dois team. Moi, je veux pas team. Team, c'est pour les noobs. Moi, je team pas. Moi, je team pas. Mais pour cette vidéo, j'ai pas le choix de team. Avec deux ou trois personnes. Ouais, team, c'est pour les noobs. Tu m'aimes pour les noobs, je t'aime pas du tout. Je souffre mentalement, je t'aime, tu m'aimes si tu souffres. Moi, aidez-moi. What? Who? Yeah. I. Electric chair. Le dernier défi qui a été donné par un abonné, et l'abonné a donné comme défi, fait un concours de Goodly à gagner. Et j'avais justement prévu de vous faire ce concours, ça va finir bien la vidéo. Oui guys, j'organise un concours de Goodly, je ne sais pas encore quel Goodly je ferai gagner. Je vais vous mettre un message épinglé dans les commentaires de quel Goodly en question. Tout ce que vous avez à faire, c'est à commenter votre pseudo Roblox dans les commentaires de cette vidéo YouTube, s'il vous plaît. Dans cette vidéo YouTube, dans ces commentaires-là. Pas dans mon groupe Roblox. Donc, vraiment, l'important, c'est juste de commenter ton pseudo Roblox et d'être abonné à cette chaîne et d'être abonné à ma chaîne secondaire. C'est bon? Ça va être ça le seul défi pour pouvoir participer au Goodly. So, guys, si vous voulez une vidéo comme celle-là, n'oubliez pas qu'on doit atteindre un objectif de 1000 likes dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne secondaire. Et sur ce, au revoir!